Salut à tous, c'est Calypso53, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis sur GTA 5 Online, et je suis sur la Xbox One, et j'avais envie de faire une petite vidéo complètement improvisée. Toutes ces personnes que vous voyez ici, c'est des personnes qui m'ont, je sais pas, ça doit être sans doute être des abonnés, qui m'ont reconnu sur le Xbox Live, et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite vidéo improvisée avec eux. Ça fait une sorte de petit délire abonné, sauf que, bah on les entend pas cette fois-ci, donc je vais... Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Calme-toi mec. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Oh, il y a un avion de chasse qui est passé là, truc de ouf. Complètement taré le mec. Donc ouais, une petite vidéo improvisée sur GTA Online, histoire de vous raconter un petit peu, comment dire, je vais vous parler un petit peu de pas mal de choses par rapport à... Wouah, il va se cracher. Il s'est pas craché? Il s'est pas craché. Bon, je vais essayer de parler tranquillement. Je vais essayer d'arrêter de me couper aussi. Ouais, donc, petite vidéo improvisée, histoire de vous raconter un petit peu mon ressenti par rapport à cette année, mes projets pour la suite, etc. Et bien entendu, vous remercier. Donc, je vais vous remercier pendant cette vidéo-là. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire une petite chose, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaints depuis quelques temps. Là, ça fait pas mal, depuis un mois. Ça fait depuis un mois qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ouais Calypso, tu fais plus de vidéos, etc. » mais je sors toujours une vidéo tous les 2 à 3 jours, voire 4 quand j'ai des soucis de rec ou d'upload ou quoi que ce soit. De toute façon, je le dis tout le temps sur Facebook et Twitter. Et par rapport à Facebook et Twitter, justement, si vous voyez pas mes vidéos sur... Enfin, si vous voyez pas que je sors des vidéos sur YouTube, c'est tout simplement parce que YouTube bug d'une puissance en ce moment, c'est absolument hallucinant. Donc je vous incite tout simplement à me suivre sur Facebook et Twitter, parce que je partage absolument tout le temps mes vidéos sur ces réseaux sociaux. Et c'est le meilleur moyen de voir quand je sors une vidéo ou quoi. Donc... Facebook et Twitter sont dans la description. Si vous n'avez pas de compte, bah, n'hésitez pas à en faire un. Ça prend une minute. Et voilà. En plus de ça, comme je l'ai dit plein de fois, je poste plein de photos. Quand j'ai envie de jouer sur GTA, ou... Enfin, c'est rare. Je joue pas énormément sur GTA en vidéo. Mais quand je joue souvent à Call of, je poste quasiment un statut tous les soirs pour jouer avec vous, etc. Toi t'es un connard, tu veux rien m'apporter. Et je le passe sur Facebook et Twitter, donc si vous voulez jouer avec moi, eh ben faut me suivre sur ces réseaux sociaux, voilà, ça coûte rien. Et puis c'est un moyen d'interagir. Ah putain, je vais m'éclater la gueule. C'est un moyen d'interagir ensemble, etc. Voilà. Une autre petite information. Là, à la fin de mes vidéos, à chaque fois, vous savez qu'il y a une outro, etc. Pour regarder mes... Enfin, je vous propose de regarder mes dernières vidéos. Enfin, une vidéo, ma dernière vidéo ou une vidéo aléatoire, ça dépend. Et je vais rajouter à cette outro, tout simplement, comment dire, une sorte de vote pour les prochaines vidéos. Je vais vous proposer deux vidéos à chaque fois. Par exemple, admettons, je suis sur une vidéo GTA. Quand je fais une vidéo GTA, je vous proposerai deux vidéos à la fin. Par exemple, soit vous choisirez entre une vidéo délire abonné, ou soit une vidéo, une course par exemple. Et donc, vous pourrez voter dans les commentaires. Donc ça commencera à partir de cette vidéo là, vous pourrez voter dans les commentaires la vidéo qui vous plairait le plus. Et par exemple, si vous votez la prochaine vidéo que vous voulez un délire abonné, et bah la prochaine vidéo sur GTA ça sera un délire abonné. Donc voilà, c'est un moyen d'interagir encore plus avec vous. Et c'est pour ça que je suis ici, hein. C'est pour interagir au maximum avec vous. Et que je fais cette vidéo d'ailleurs, hein. Oh putain, je croyais qu'on allait exploser. Oh putain, il fait peur ce... Ah, t'es pas un pilote mec, hein. Et voilà, comme je vous disais, c'est un moyen d'interagir encore plus, c'est comme Facebook et Twitter, c'est pour ça que je vous incite à me suivre, voilà. D'ailleurs, au passage, je tiens à vous dire que pendant cette vidéo-là, vous attendez pas à une vidéo de ouf, hein, c'est vraiment histoire de vous parler, etc. Donc, pour les personnes que ça intéresse pas forcément, ne regardez pas la vidéo parce que je vais pas faire de trucs de ouf. Wouah ! Hey, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je vais pas forcément faire de trucs de ouf dans cette vidéo-là, y a pas de délire abonné ni quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, je suis avec des abonnés là, ça se trouve on va faire des trucs de ouf, hein, on sait pas, mais c'est pas prévu pour le moment. Bref, donc par rapport à ces petits... Wouah, lui s'est crashé. Il a même pas explosé. Vas-y, fonce-lui dedans. Mais quoi, il s'est crashé, il a pas explosé.
Ah, trop bien, il m'emmène ici. Ah, c'est justement que je voulais aller. Merci, mec. Je descends, par contre. Voilà, d'accord, merci. Attendez, je voulais vous dire plusieurs choses aussi. Bon, je vais passer aux remerciements, comme ça je les oublierai pas. Par rapport à cette année, etc. C'est comme vous le savez, enfin je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a un an avant la sortie de GTA, j'avais seulement 3000 abonnés. Pour moi c'était juste dingue, etc. Et à la sortie de GTA, quand j'ai fait mes premières vidéos sur GTA, je me suis toujours dit il va y avoir tellement de youtubeurs qui vont faire des vidéos sur ce jeu que voilà, je fais une ou deux vidéos, mais de toute façon je sais très bien que je ferai pas plus de vues ou quoi que ce soit par rapport à mes autres vidéos. Sachant qu'à l'époque mes vidéos faisaient genre 500 vues, voilà quoi, et j'étais content. Et voilà, vous le savez maintenant, ma chaîne a monté, mais d'une rapidité absolument dingue. Maintenant je suis quasiment à 300 000 abonnés en l'espace d'un an. Et j'ai vécu énormément de choses depuis, enfin pendant cette année. Et tout ça, je dois tout ça grâce à vous, et ça c'est vraiment énorme. Et je vous ai déjà remercié plusieurs fois. Mais je tenais encore une fois à vous remercier. Par contre, là, tu commences vraiment à me casser les couilles, je te le dis. Hop, je vais me mettre en mode passif. Parce que lui, ça le fait kiffer de tuer les gens. Voilà, donc je tenais encore une fois à vous remercier. Parce que si j'ai pu voyager, si j'ai pu rencontrer plein de personnes, si j'ai pu, par exemple, rencontrer mon meilleur ami Charles maintenant, parce que oui, Fast Good Cuisine et moi, maintenant c'est mon meilleur ami. Et bah c'est grâce à YouTube, grâce à vous. Si j'aurais pas eu autant d'abonnés à ce moment-là, et bah on se serait peut-être pas parlé, etc. Et voilà, c'est plein de petites choses qui font que bah voilà, vous avez changé ma vie en l'espace d'un an, et c'est dingue. J'étais en Allemagne, à Londres, j'étais un peu partout, j'ai rencontré, enfin j'ai passé une semaine de dingue à la Paris Games Week où j'ai pu vous rencontrer tous les jours, etc. Et ça, c'était absolument dingue. Et ça, je vous en serais toujours reconnaissant. Et voilà. Donc, un grand merci à vous. Putain, pourquoi j'arrive pas à prendre l'avion? Voilà, merci. Mais... Oh, putain, il y a plein de bugs sur Xbox One, hein. Eh, lui, par contre, il casse les couilles, hein. Eh, il y a plein de bugs, je vous jure. Eh, le mec a mis 3 ans pour... Pourquoi ça veut pas accélérer? Putain, c'est n'importe quoi. Eh, je vous jure... C'est buggé sur la Xbox One, mais d'une puissance. Ah là là, bref. je pars n'importe où. Et ouais, je suis en mode passif, mon gars. Ah, ça c'est bien, quand on est en mode passif, tu peux pas détruire notre véhicule. Putain, génial. Oh, elle a vu la première personne, c'est la première fois que je la mets sur GTA, j'allais dire Call of. Oh, enfin, c'est la première fois que je la mets dans un avion. Oh, c'est énorme. Oh putain. Oh, je suis en train de regarder les petits cadrans et tout là. Wouhou. Par contre là je vois rien. Wouah. Putain, j'aimerais bien aller à la base militaire pour voir si je peux prendre un avion ou quoi. Attendez, on va remonter un petit peu vers le haut. Bon, je dérive de ma vidéo là, parce que là je suis parti dans mon petit délire GTA. Ça y est, c'est reparti. Chaque fois je retourne sur ce jeu, c'est tout le temps la même chose. Elle est où la base? Elle est là-bas. Là, voilà. Wouah, calme-toi l'avion. Voilà, on va aller vers la base. Et je vais pouvoir continuer à vous parler. Donc, je vous ai parlé de donc des trucs à la fin de mes vidéos. Ah oui, je voulais revenir par rapport à ces dernières semaines et les derniers mois qui sont passés. Parce que je sais que je vous ai pas mal déçu ces derniers temps. Certains n'ont... Enfin, j'ai pas déçu tout le monde, mais j'ai déçu une bonne partie de ma communauté. Pourquoi? Parce que d'après vous, et je vais vous le... Comment dire? Enfin, je suis d'accord avec vous, tout simplement. J'étais plus le même dans mes dernières vidéos, etc., ces derniers temps. Je vais vous expliquer tout simplement la raison pourquoi j'étais plus le même. Tout simplement que moralement, ça n'allait vraiment pas bien. Et voilà, j'essayais de pas le faire voir dans les vidéos, mais j'ai pas réussi, tout simplement. Donc j'ai essayé de pas faire voir ce mal-être, on va dire, en forçant un petit peu trop sur l'humour. Oh merde, j'avais oublié ça. Putain, je me suis fait attaquer direct. Mais c'est qui? C'est lequel qui m'a attaqué là? Allez, on va sauter en parachute. Donc oui, comme je vous disais, moralement ça n'allait pas bien pour des raisons personnelles, etc. Il y avait plein de raisons qui faisaient que j'allais pas super bien moralement. Et ça s'est ressenti dans mes vidéos, et ça je tiens à m'en excuser, même si c'est pas forcément vraiment de ma faute. Et que j'aurais pas voulu... Enfin, c'est pas voulu, quoi. Mais bon, je tenais quand même à m'excuser par rapport à ça. Ah non.
Attendez, attendez. Ah. Tac. Oh putain. Voilà, attendez, attendez, je vais essayer de prendre l'avion. Ça va être... Oh, je vais crever. Je vais crever, je vais crever. Je... Nique ta mère. Je suis désolé. Donc, où en étais-je? Oui, je disais, je m'excusais par rapport à tout ça, etc. Mais, parce que quand on est... Enfin, moi, personnellement, je suis sur YouTube bah, pour vous faire passer des bons moments, etc. Pour qu'on rigole ensemble. Et pendant mes dernières vidéos, bah voilà, j'ai pas réussi à vous faire forcément rire ou vous faire détendre comme dans mes anciennes vidéos, etc. Et ça, c'était justement par rapport à bah, mon moral, etc. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser par rapport à ça, mais au moins vous savez la raison. Je vous dirai pas exactement la raison pourquoi je n'allais pas bien, parce que c'est personnel, voilà. J'ai pas forcément envie de tout raconter non plus. Mais voilà, vous avez la raison. Donc comme ça, pour toutes les personnes que j'ai déçues, bah voilà, je m'excuse. Voilà, voilà, on va arrêter de parler de ça parce que ça me saoule un petit peu de parler de mon moral, etc. Mais sachez que pour les prochaines vidéos et pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, etc., je vais faire tout mon possible pour retrouver la pêche que j'avais dans mes anciennes vidéos. Et je vais faire tout mon possible aussi. Ah, c'est bon, j'ai déjà mon casque. Pour vous satisfaire au maximum. Tu veux monter avec moi? Allez! Cravate solide. Le nom de merde. Je suis désolé. Oh! Oh putain! Oh putain, mec, je suis vraiment désolé. Je m'attendais pas à ce qu'on se retourne comme ça. Et je suis vraiment désolé, putain. Oh putain de merde. Oh, oh putain, je crois qu'il était déjà tombé. Mais c'est chiant de voir les gens en transparent là sur Xbox. Oh! Ok. D'accord. Pourquoi pas. Bon, bah, on va retourner en solo. De toute façon, je pense qu'on va. Je vais bientôt mettre fin à la vidéo parce que je vous ai un peu tout dit. Pour les prochaines vidéos, bah, je vais toujours faire la même chose. Hein. Je vais toujours faire du GTA, des vidéos. Des multigaming, etc. Je vais toujours faire du Skate 3. Toujours des vidéos bah, sur tous les jeux, etc. Mais sachez que je vais toujours continuer mes vidéos sur GTA avec mes potes, etc. Quoi? Tu veux te battre? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est l'embrouille que tu cherches? Non? Je peux pas me battre avec lui? Ah non, c'est Lamar, je peux pas me battre. Ah, si? Bah, non, je peux pas le taper. Ah non, on va aller se battre avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je disais? Merde, j'ai complètement perdu le fil. Ah oui, mes prochaines vidéos, oui, bon, bah, comme je voulais dire, je vais toujours faire la même chose. Je vais toujours même rester dans la même optique, etc. Sachez que moi personnellement, j'attendais pas j'attendais pas GTA sur Next Gen. Tout simplement parce que il n'y a pas énormément de nouveautés à part la première personne. Mais bon, la première personne, voilà, hein, c'est juste la première personne, ça refait pas le jeu. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ce que j'attends vraiment, c'est vraiment. Wow, c'est vraiment, j'allais dire Skate 3. C'est GTA sur PC. J'attends les mods depuis depuis la sortie de GTA, tout simplement. Oh, 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 ce qui m'a mis. Oh, vous avez vu? Oh, ce qui, le ski. Oh, oh putain, il se bat bien ce bâtard. Attendez. Ouais, je disais, dès qu'il y aura les mods sur GTA 5 PC, ça sera juste énorme. Et en plus, il y a déjà Dundalfa qui a son PC, donc on a déjà prévu des bons trucs, etc. Et sachez que déjà GTA 5 sort en janvier et à partir de ce moment-là, bah de toute façon les mods vont arriver plus tard. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils arriveront. Ça se trouve ça sera dans un an ou quoi que ce soit. Mais dès que les mods arriveront, ça sera juste énorme. J'ai prévu plein de choses. Et là pour ces prochaines semaines, j'ai prévu des gros trucs assez sympathiques et ça risque de pas mal vous plaire. Des trucs où que je, enfin des vidéos avec avec d'autres youtubeurs, pas mal de featuring, on va dire. Vous allez voir que c'est assez sympathique, voilà, en tout cas si tout se déroule comme prévu. Je suis en train de défoncer tout le monde là actuellement. Tiens, toi tu te prends une grosse mandale. Quoi toi? Et BAM! Tiens, voilà, ça t'a calmé. Et voilà, donc j'ai fait, tiens, ouf, qu'il a pris. Je pense que j'ai fait le tour, merde, il y a les mecs de gang. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que j'avais à vous dire. C'était pas forcément une vidéo passionnante, hein, comme je vous l'ai dit dès le début. Mais je me devais de faire cette vidéo pour vous parler, etc. Pour vous... Oh, le chien! Il attaque qui là? Merde, il attaque moi!
Oh, le chien m'a tué. Le chien est en train de me tuer là. Ok, le chien m'a tué. voilà. Donc j'ai fait le tour comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette vidéo là, vous aurez à choisir entre deux vidéos. Après, je vous force pas de choisir, mais ça permet de vous faire interagir avec moi, etc. C'est encore plus sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez aussi comme autre vidéo sur les autres jeux, hein, pas forcément sur GTA. D'autres vidéos Skate 3 de prévues, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Tiens, Hypercut. Et voilà, allez, sur ce, bye bye. Attends, tu vas prendre un coup de poing. Bye bye tout le monde. Allez, salut. Et boum. C'est donc à vous de choisir en commentaire pour la prochaine vidéo. Ce sera donc soit une course sur GTA 5 Online comme celle-ci, vous pouvez d'ailleurs cliquer pour aller la voir, ou bien une vidéo délire abonné sur GTA 5 Online, encore une fois, comme celle-ci. Donc c'est à vous de choisir. Allez, salut !